Vous savez certainement qu'être grand pour un animal, c'est un super avantage. Ça vous évite, par exemple, les ennuis avec la plupart des prédateurs. Le problème, c'est que depuis quelques milliers d'années, les humains, leur gros cerveau et leur énorme appétit sont arrivés. Et eux peuvent chasser les gros animaux sans souci, ou détruire les ressources nécessaires à cette mégafaune aujourd'hui. Ces grosses bestioles sont pratiquement toutes en train de disparaître. Et celles qui sont toujours là sont à deux doigts d'être éradiquées. Mais il y a deux exceptions surprenantes. Les ours noirs d'Amérique et les baleines à bosse. Leur population ne diminue pas, elle augmente grâce à deux stratégies identiques. Pour commencer, l'efficacité de la reproduction. Les baleines à bosse sont un des très rares exemples de mammifères qui peut tomber enceinte alors qu'elle est encore en train d'allaiter un petit. Ça permet à une baleine à bosse d'avoir bien plus de bébés que les autres baleines. Les ours noirs peuvent avoir des enfants alors qu'elles sont jeunes et ont de plus grande portée que les autres ours. Ça permet à l'espèce de conquérir plus rapidement des nouveaux milieux de vie. Le truc, c'est que normalement, faire autant de petits est un désavantage. Il faut être capable de les nourrir, et vous imaginez bien qu'une baleine a besoin de pas mal de lait. Sans oublier que les humains détruisent, souvent sans même le savoir, le krill que mangent les baleines. Et l'on a observé que certaines baleines à bosse se regroupent et commencent à travailler ensemble pour se mettre à chasser d'autres proies. Les ours noirs mangent déjà plus ou moins n'importe quoi dans la nature par rapport aux autres animaux géants. Mais ils ont encore étendu leur menu en profitant des humains. Chez les mammifères géants, la combinaison de la grande fertilité et d'une grande flexibilité dans le choix de la nourriture n'est pas très fréquente. Mais on ne sait pas vraiment pourquoi et comment cet ours et cette baleine ont adopté ces deux comportements, alors que les autres animaux ne le font pas. Peut-être parce que la baleine à bosse ou l'ours noir sont des espèces déjà très adaptables naturellement, ou peut-être qu'elles ont eu de la chance dans la loterie de l'évolution. Le truc, c'est que même si c'est très rare pour les gros animaux, une bonne partie des petits mammifères utilisent déjà ces deux comportements. Et à proximité des hommes, ça fonctionne plutôt bien. Depuis 50 000 ans, un peu plus de la moitié de la mégafaune a disparu, alors qu'il n'y a eu que 5% des petits mammifères qui se sont éteints. On considère que presque 70% des grosses bestioles restantes sont en danger, à cause de la civilisation moderne, mais seulement 20% pour les micro-mammifères. Il est clair qu'adopter les deux stratégies classiques des petits animaux fonctionne très bien. Alors que les autres espèces de baleines remontent lentement la pente après qu'on les ait chassées, les baleines à bosse sont déjà pratiquement à leur niveau précédent. Et il est probable qu'elles se développent pour finir par être bien plus nombreuses qu'avant. Et c'est pareil pour les ours. Alors que la majorité des animaux de la famille sont au bord de l'extinction, on n'a jamais compté plus d'ours noirs qu'aujourd'hui. Et leur croissance ne semble pas vouloir se calmer. En fait, ces deux espèces grandissent en agissant comme les petits. C'est la preuve qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi.